monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Un petit coucou ici pour dire bonjour. Bonjour. Belle forme, impeccable. Et ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installé à la maison, avec à boire. Et... Je vous foutais là. On avait mis à peu près le même costume, donc je me suis dit, tiens, je vais le faire aussi. Mais qui a pas parlé dans le micro? Bah oui, mais. Ah oui, si, le manger. Ouais, oui, bah oui, ouais. En principe, oui. Ah oui, parce qu'on a la même chemise, on fait la même chose. Bah oui, bon, je me suis dit, tiens, je vais y aller avec. Enfin, moi, je ne suis pas plein de tâches, hein, je vous signale. Ah bah oui. Bien, même messieurs, donc je vais vous donner pas du tout d'énigmes, puisqu'il s'agit d'un télécrochet aujourd'hui, n'est-ce pas, Patrice? Un télécrochet, même sur des feuilletons. Des feuilletons, des séries. Des séries, amicalement vôtres. Vous aurez notamment à fredonner des séries au téléphone par couple, bien évidemment, et ce sera en fin d'émission. Pour l'instant, nous allons recevoir celui qui va passer cette émission avec nous, Patrice. Sébastien. Sébastien Roch, dit Cri-Cri d'amour, mesdames, messieurs. Sébastien Roch, voilà. Mesdames, messieurs, Sébastien Roch, Cri-Cri d'amour, le voilà. Bonjour. Soir. Comment ça va? Ça va bien. Ravi de vous recevoir ici. Ravi d'être ici. Vous êtes en pleine forme? Ouais, ouais. Ça vous embête si encore aujourd'hui... Chut, là, tu peux te calmer les filles, s'il vous plaît. Sois très énervé, hein. Ça vous fait quoi? Ça fait bizarre, le obus, en fait, pour arriver ici. Oui. Ça fait genre... Ça fait genre... C'est futur, c'est bien. C'est futur. Ah, c'est très bien, c'est futur. Oui, on va aller s'installer, Sébastien, si vous ouais. voulez bien. Est-ce que je voulais juste vous poser la question, si on dit encore aujourd'hui cri-cri d'amour, ça vous agace ou c'est quelque chose qui fait partie de votre environnement? Ah, ça fait partie de ma vie, c'est voilà. clair, mais ça m'agace pas vraiment. Mais je vous appelle comment, cri-cri ou Sébastien? Appelez-moi Sébastien. Je vais vous appeler Sébastien, j'aime bien. Sébastien, on va s'installer, on va rejoindre Patrice Carmouze, mesdames, messieurs, allons-y, c'est parti. Vous avez une petite fourrette, Sébastien, pour mettre votre micro ici. On est bien arrêté, Patrice? Je crois, à peu près. Comment? À peu près. J'ai pas entendu. À peu près. Patrice est sous, mesdames, messieurs. À 19h déjà, il est sous, juste avant le repas. On va parler, Sébastien Roch, de votre actualité tout à l'heure. C'est un album et un extrait d'album. On appelle ça un single. Un single. C'est bien ça? Oui. Et vous allez nous dire ce que vous faites, les tournées, les voyages que vous faites, les gens que vous rencontrez, les scènes que vous allez entreprendre et tout ça. La vie que je mène. Voilà, voilà la vie que vous menez, exactement. On va entamer en tout cas par autre chose, Patrice, un immédiatement. Quelqu'un qui ne fait pas encore des disques, mais qui chante vraiment et qui fait plein de choses avec, avec ses doigts, enfin, qui fait de la musique, c'est Guy Bazier. Ah, pourquoi vous dites aussi, il fait des trucs avec ses doigts Il fait peut-être des trucs avec ses doigts. Sûrement. Guy Bazier, ah, il est parti, boucher Bazier, charcutier à Salbris. Et qui est un homme orchestre. Et c'est un homme orchestre. Qui va venir nous rejoindre ici. S'installer là, l'homme orchestre, alors on va évidemment on va laisser interpréter un petit peu sa mélodie. Ouais, ça c'est les fiancés de Bernier. Bonsoir bravo. Monsieur, bravo monsieur Guy Bazier. Guy Bazier, boucher charcutier à Salbris en Sologne. En Sologne, belle région. Belle région. Comment trouvez-vous le temps monsieur, entre la boucherie et la charcuterie, comment trouvez-vous le temps de faire en plus l'homme orchestre? Je travaille dans mon laboratoire. Vous avez un laboratoire? Je fabrique. Et je joue du matériel de laboratoire, c'est-à-dire de. C'est très beau. Vous voyez, j'ai tout mon matériel que je vais vous présenter. De laboratoire. C'est du travail, je travaille avec ce matériel. Et c'est vous qui le fabriquez? Exactement. On a tous fantasmé voilà. quand on était évidemment gamin ou moins gamin sur les hommes orchestres. On vous en a mis un vrai voilà. en live, comme ça. Merci. Et c'est un homme orchestre avec des vrais instruments, donc, plus des instruments professionnels. De laboratoire, Patrice. Ouais. Laboratoire. Donc, je suis boucher charcutier à Salbris, la capitale de la Sologne. Magnifique région. Ouais. Alors là, vous enlevez donc votre casque, qui est représenté par un je vais vous présenter mes instruments. Bon, ça, c'est un tambourin classique. Ça, c'est un cubi. C'est un... Un cubi, c'est-à-dire pour mettre le vin blanc, pour faire mon boudin blanc, voilà, le sauvignon. Ça vous servait du vin et ensuite ça sert de... Eh bien voilà, ça me sert de batterie. Ah, de batterie. De batterie. Alors ça, c'est un xylophone à bouteille. Voilà. À quoi sert le saucisson? Alors là, tout à l'heure. Alors, ça vient d'un laboratoire, mesdames, messieurs. Ça, c'est la pompe à gros lot. La pompe à gros lot. Ça s'est fait passer la pompe à gros lot. Ah oui, c'est une pompe à gros lot. À gros lot, oui. À l'origine et puis à gros lot après. Alors là, c'est la louche, la cuillère. Un bel outil, monsieur Bazier. Voilà. Et ça, c'est la corne de bœuf. Ah oui, corne de bœuf. Et voilà. Où est-il, le bœuf? Un animal que j'ai tué, d'ailleurs. Hélas. Oh là, oh, mais ça, c'est bouché. Oui, enfin, il est bouché, il est bouché. Oui. Pas... Ça, c'est très beau. Hein. Alors, donc. Ça... C'est en même temps, on sent qu'il y a une vraie, comment dirais-je, une vraie musicalité. Oui. Et en même temps. Le son. Le son. Alors, ça, c'est le poirillette avec du poivre en grain.
poivre. Ah, du poivre en grain dans un poirier. Prenez-en de la graine, Sébastien. Hein. Oui, parce que... On s'en passionnait sur ce coup-là. Les gros lots classiques. Oui, ça, alors là, vraiment, c'est le tout venant, là. Hein. Voilà. Vous en avez accroché le poignet. Je cherche. Ouais, celui-là, il reste l'harmonica. On va peut-être nous jouer quelque chose pour nous montrer. Comment fonctionne la corne de bœuf, s'il vous plaît? Eh bien, tout à l'heure. Je vous fais une démonstration. D'accord. Si c'est tout à l'heure, on en a pour une petite heure. Voilà. Donc, quelle heure il est? Ça, c'est pour se gratter les... Alors, ici, je vais vous interpréter. Ah, aussi, hein? Monsieur Cannibal. Ah, de Sacha Distel. Ah oui, vous êtes vraiment sous, c'est ce que je disais tout à l'heure. De Monsieur Cannibal, attention. Au secours. Ça, c'est Monsieur Cannibal. Ça doit se faire mal, non? C'est pas tranquille. Bravo. 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 Alors, vous n'avez jamais eu d'accident de parcours, évidemment. Hein, j'insiste lourdement, mais accident louche. Quand on vous voit vous taper comme ça dessus, il n'y a pas eu de... Non, absolument pas. Il y a mon casque. Alors là, évidemment, est-ce que c'est vrai? Dites-nous, nous a dit, un joueur d'harmonica doit impérativement ne pas faire ça juste après le repas. Je vais vous démontrer le contraire. Ah, vous venez de dîner? Je viens de dîner. Attention, aux abris. Ça c'est quoi, monsieur Badi? La rirette. La rirette, ah oui. La rirette de chez... J'ai perdu vos grelots. On a perdu vos grelots. Vos petits grelots. C'est rien. Non, remarquez maintenant, vous avez une jolie pompe. Excusez-moi. Hein. J'ai perdu vos grelots. Où sont-ils les grelots? Avez-vous vu les grelots de M. Bazier? Où j'ai pas Sébastien Givet? Ils sont là. Ils sont chiants sans grelots. Ah oui. Et avec les couteaux de boucher et le. Où est le traîneau? Vous voulez pas faire Sissi? Attendez, où est la pompe? Ah, où est la pompe? Doucement, monsieur Bazier. On a pompé. Ça coupe comme du rasoir. Comme du rasoir. Oh là là. T'entends? Allez. Comme du rasoir, il a dit, monsieur Bazier. C'est quoi? Et je trouve qu'il a le regard violent. Attention. Ça suffit, Patrice. Histoire d'un amour. Allons-y, monsieur Bazier. Allez, monsieur Bazier, qu'est-ce que c'est maintenant? Histoire d'un amour. Alors, avec deux couteaux de boucher. Histoire d'un amour. Anna, de Sacha Distel. Pour deux couteaux de boucher. Sacha Distel? De qui? Non, de qui? De qui? Monsieur Bazier. C'est qui? De qui? C'est un morceau ancien. D'André Verschuren. Le morceau, le compositeur, je ne peux pas vous le dire. Ah, donc ça s'appelle? Histoire d'un amour. D'accord. Voilà. De? C'est pas grave. Monsieur Bazier? On démarre. Nous faisons partie maintenant de ces émissions en France où il y a un peu de live et sans playback, enfin, pas de playback, M. Bazier, qui va immédiatement nous interpréter le turlutu du chapeau pointu avec le xylophone à bouteille. Xylophone à bouteille. J'y tiens. Salade de fruits. Joli. Salade de fruits, joli. Attention, vous faites pas mal, M. Bazier. Je m'en fous, M. Bazier, excusez-moi. Monsieur Bazier, une dernière question, pardonnez-moi, de fond. Vous faut-il, monsieur Bazier, il y a une vraie désynchronisation de vos mouvements. On apprécie ça chez certains grands pilotes automobiles, oui. Type champion du monde. Est-ce qu'il y a un entraînement pour vous particulier de manière à désynchroniser la main gauche avec l'harmonica, la main droite sur la boubou, sur la téteille?
C'est de nature. C'est de nature. C'est de nature chez le boucher. Belle nature, hein, monsieur Bazier. Et monsieur Bazier, pour lui. Monsieur Bazier qui animera la foire de Saint-Georges-sur-Boulon dans le Cher. Et voilà, c'est pour nous d'ailleurs le 26 et le 27 novembre. Prochain. Prochain. Où ça? À Saint-Georges-sur-Moulon. Sur Moulon. Si jamais vous vous trouvez dans le Cher à Saint-Georges-sur-Moulon, bien sûr, vous n'hésiterez pas à aller voir. Monsieur Bazier. Bazier. Monsieur Bazier Guy. Sébastien Roch, vous restez avec nous. Nous allons nous retrouver tout à l'heure, juste après cette page de publicité. N'est-ce pas, Sébastien Roch? Mesdames, messieurs, nous voici de retour au sein de la Maison de la Radio avec Sébastien Roch qui est parmi nous. Alors là, maintenant, Patrice. Oui. On va parler. Vous avez, est-ce que vous demandez votre âge? Vous avez quoi, 20 ans, 21 ans? 20 ans. 20 ans. Bientôt 21 ans ou bientôt 20 ans? Bientôt 21 dans. Et vous êtes une sorte d'idole des kids, comme on dit, hein, c'est ça? Oui, on peut dire ça. Verse. Non. Non, on peut pas dire ça. Non, c'est... non, bah oui, vous avez dit une connerie encore. Ah bon, bah alors on le dit pas. Eh ben quand même, mais tant pis, parce que c'est vrai que vers 16-17 ans, les jeunes filles se sentent titillées par quelque chose qui s'appelle le pouvoir de séduction. Par exemple. Hein? Par exemple. Et alors, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour séduire les jeunes hommes, les jeunes garçons, les étudiants? À votre avis, Patrice? Eh bien, Muriel va nous expliquer tout ça, on va aller la voir là-bas. D'accord? Ok. Allez, venez. Oh, salut! Oh, salut! Salut! Salut, salut. Bonsoir, Muriel. Bonsoir, Christophe. Sébastien, allez vous asseoir là. Salut, Seb. Salut. Bah oui. Salut. Salut, ça va? On salue pas. Je suis venu avec mes amis. Ah super. C'est Charlie. Ouais, c'est Charles. Ah, c'est Lulu. Ah, c'est Tonton. C'est Mouscar. Ouais. Ah, salut. Ah, cool. Bah, salut. Ah, c'est Benlu. Ah. C'est Benlu. C'est Benlu. Bah voilà, moi je vais avoir 16 ans ou 17 ans. Oui, j'ai pas du tout. C'est vrai? Ouais. Et je commence à m'interroger sur mes pouvoirs de séduction, effectivement. Ah, c'est ce dont parlait Patrice tout à l'heure. Je commence à m'intéresser aux garçons, à vouloir en sortir un peu. Et donc, bien naturellement, je vais vouloir être sexy quand même. Sauf qu'en fait, on n'est pas. La perception du sexy, c'est différent selon l'âge qu'on a. Ah, c'est clair, on va parler. Si on a 30 ans, on ne va pas être pareil qu'à 17 ans. Là, on va parler de la mode des jeunes. Oui, des jeunes, c'est oui. Ça. Voilà, exactement. Alors, en fait, bon, là, moi, je suis un peu trop déshabillée. Je trouve, parce que c'est vrai que à cet âge-là, on est encore mal dans sa peau, donc on a plutôt envie de se cacher. Et d'autre part, on se cherche, et donc c'est là où on va commencer à accumuler de plus en plus de. C'est la superposition. C'est donc la mode de la superposition. C'est-à-dire que c'est maintenant on met un truc, on met un autre truc par dessus. Non, mais il faut rajouter. C'est pas des gens qui superposent les uns aux autres. Hein, je suis trop nulle. Hein. Ah nulle. Je suis pas sexy sale. Du tout en fait là. C'est-à-dire qu'en fait il fait une chaleur à donf. Non mais c'est ça qui est bien. Non mais attends, moi je voudrais quand même qu'il nous donne un coup de main parce que regarde ça, c'est comme ça. Remarque, lui, c'est superposé un peu. Non, pas pour il est moins superposé, il est moins superposé. Non mais là, Sébastien, comment vous me trouviez? J'étais trop déshabillée là, non? Faut que je rajoute des trucs. J'aime bien, moi. Enfin... Ça dépend pour quoi faire, ouais. J'ai pas, mais... Bah non, pour quoi que ce soit. Alors oui, il faut vraiment, il faut rajouter. C'est la mode. Ça, c'est quand on a quel âge? On pourrait être entre 16 et 20 ans. 16, ah, c'est pour moi, ça, ouais. Oui, mais vous avez des trucs, d'ailleurs. Essayez-les, hein. Ah, très bien. Voilà, ouais. Bah, faut tomber la veste. Hein. Ouais. Salut. Super cool. Ah, super cool. C'est superposer le maximum de choses. Merci. Mon nez beau. Voilà, c'est parfait. Ok. Ok. Merci. Ah, pas mal, oui, salut, c'est un pouce la tête. Qu'est-ce qu'ils en pensent, là? Qu'est-ce qu'ils en pensent, les genoux? C'est moyen. T'es con, quoi? T'es ouf? Yes, il veut la guerre. T'es ouf ou wack? Oh, c'est porte-nain wack, les coms. Ce qui est important, c'est de tout mélanger. C'est de tout mélanger les styles, les tissus, les matières. Mieux, ouais. C'est la world mode, en fait. Ah bah ouais, bah ouais. Tiens, vous pouvez mettre ça par-dessus, par exemple. Celui-là? Oh, ça, c'est pour les filles. Mais ça, c'est superposé, c'est bien. Non, c'est pas grave, ça. Bien, hein. Pardon. Ah ouais, ouais. Putain. C'est les mecs ouais, en carrure. Ouais, c'est un petit, ouais. Vous voulez une robe? Non mais attends, là c'est fille, là, tout d'un coup, ça tourne. Oh non, ouais. Ah bah si, on superpose, c'est pas grave, non? Bah là, tout d'un coup, c'est autre chose. C'est deux mots. C'est moi, la mode. C'est mode à donf. À donf. Tout bien, là. Ah bah, maman, je m'excuse bien. Ça, c'est mode. Ah, beau.
Il est bon, hein. Mais vous êtes pété ou quoi? Ah non. Vous avez Hub? Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à cet âge-là, la petite robe noire moulante, balconnée avec les bas, j'arrête, moi. Les talons aiguilles. Moi, ouais, j'ai arrêté. Ça vous plaît ou pas? Bon, ça me sert un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les filles de cet âge-là, ça fait trop madame, quoi. Ça fait trop. Est-ce que ça ferait pas un petit peu Angleterre, par exemple? Non, vous trouvez que ça fait Angleterre? Sébastien. Non. Est-ce que je suis sexy comme ça? Ah ouais. Non, mais... Ah non. Vous me trouvez pas sexy, bah voilà. Non, mais c'est parce que c'est pas mon truc. Mais c'est un truc de génération. Non, vous êtes assez sexy. Il faut. Est-ce que les jeunes... Faut avoir 18 ans pour me trouver sexy. Je suis sûre que Charlie et Lulu, je leur paie plus comme ça. Mais c'est mieux, ils aiment C'est que ce c'est. Ouais, ça. Vous voyez, c'est quand même une autre plus hiver que toi, quoi. Mais l'été, on peut superposer des petites robes fines. On peut mettre des maillots de bain au-dessus d'un petit robe, au-dessus d'un. Mais fin, tout donc fin. Ça, c'est le conseil qu'on donne aux filles, c'est faut s'habiller en super... Ouais. Patrice, vous êtes grande avec ce chapeau. Oh, non. Et voilà, par comment vous expliquez que Patrice soit limite grotesque et que ça aille bien à Sébastien? Sébastien, ça lui va mieux. C'est une question d'âge. Merci, Muriel. Sympathique. Bon, c'est bien, voilà. C'est voilà. Tout. Oui. Il n'y a pas encore des petites choses? Si, mais je peux vous montrer d'autres choses. Ça, c'est incontournable. Ça, toute fille doit l'avoir dans son garde-robe. Montrez c'est ça. La bottine à lacets. Incontournable. Mais à délacer. Pareil, le patchwork. Et ça? Ouais, ça, c'est des bijoux. On peut en mettre plein. Bon, aussi. C'est un peu Woodstock comme bijoux. Hein. Oui, ça, c'est. Le caleçon 60, classique, 10. Sauf qu'il est patchwork. Voilà. Parce que c'est la mode aussi. On fait manger berbère, indien. C'est qui berbère? Ah oui, oui. Ah, je crois qu'on fait manger berbère. Il est manger. Allez, les shorts aussi, c'est important les shorts. Ah oui. Un peu coupé. Ah non, un peu. Non. Alors, non, ce qui est important, un petit peu coupé. Dites, ce qui est important, c'est le bout de tissu. Oui. Pas le short. Mais on va pas le mettre sans rien. C'est-à-dire que ça, déjà, il faut être plus vieille, il faut avoir 25 ans. Alors par-dessus, on va mettre. Par-dessus ça. Ouais. En dessous. Non, mais je pense que le public ici présent veut dire mettez-le, mais avec rien en dessous. Oui, voilà, rien ouais, en dessous. Mais je sais pas, rien en dessous, je peux. Ah bah si. Et les semelles compensées. En fait, je vais peut-être avoir l'air un peu vieux schnock. Enfin, j'ai l'impression que ça, j'ai vu ça moi. 70. Quand j'étais petit, ouais. Ouais. C'était du temps où il y avait des grosses cravates avec des grandes chemises comme ça pour les. Vous, vous étiez déjà un adulte, hein, Patrick. Moi, j'étais. Ouais. Et vous, Sébastien, si vous deviez définir votre façon de vous habiller, vous diriez que vous êtes quoi, grunge ou pas? Non, mais en fait grunge, ça veut dire que l'expression grunge, enfin, c'est s'habiller avec des. C'est la crasse entre les doigts de pied à l'origine. L'habit doit avoir un symbole, quoi. Ça peut être une veste de son père, parce qu'on pense à son père. Ça peut être le jean de son frère, enfin, c'est ça, là. Et ça, c'est vrai que c'est sympa de s'habiller avec un pull d'un copain, tout ça. Bon, enfin, moi, c'est. Dans ma garde-robe, c'est toujours des. Toujours un pull qui a été un copain ou une veste de mon père, tout ça, ça me plaît bien. Mais c'est plus symbolique que. Ouais, c'est ça. Pour noter. C'est pas s'acheter un truc. Je pense qu'à 14-15 ans, on a envie de se donner un look, c'est clair. Et toute la vie, en plus, c'est vrai. Mmh. Si t'as 40 ans qui vieillit mal, ben, tu vas t'habiller jeune. Ouais. Parce que t'as peur de ça. Mais j'ai le gilet de 40. Faut se sentir bien. Il l'avait jeté, je l'ai récupéré. Il sentir un peu... Il est cool, quand même. Ah, il est le coup. Il est le coup, Mousca. Merci beaucoup. Muriel, bravo. Salut. Elle eut ça, hein. Ah bon, on va revenir. Patrice, puis-je me permettre de vous rappeler que vous avez un bonnet, ça que j'allais le dire, sur la tête. Muriel, donc de temps en temps, on viendra nous montrer des choses comme ceci. Sébastien, venez vous asseoir, s'il vous plaît, car il est temps maintenant pour nous... De parler de silence. De parler de... Comment dites-vous? Silence. Ah, et de Pousse Petit Vent. Et de Pousse Petit Vent. Hein, n'est-ce pas? Oui, absolument. Qui est l'extrait de l'album qui s'appelle Silence. Et il y a Au Bar de Jeez aussi. Bien sûr, il y a plusieurs titres. Non, à l'envers, c'est pas grave. Et de la cigale, là. On va parler un petit peu de vous, donc, grosso modo. Alors, c'est vrai que vous avez été découvert par le grand public dans une série qui s'appelle Les Nés Garçons. Eh oui. Que vous avez quitté quand? Ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois. Et la raison, enfin, tout ne nous regarde pas, vous faites ce que vous voulez, mais c'est que vous avez voulu à un moment évoluer par vous-même, par autre chose, vivre d'autres trucs, éventuellement vu la naissance de cet album. Non, enfin, la réelle raison pour laquelle j'ai quitté la série, c'est parce que. Parce que c'était déjà pas dans ma tête de tourner pendant des années pour la même chose, avoir les mêmes décors, les mêmes gens. C'était une aubaine pour moi d'avoir un plateau de tournage comme ici avec des caméras,
Et puis voilà, pour moi, me retrouver avec des caméras, toujours, c'était génial. Vous avez appris tous les jours, quoi. Le petit bof que je suis, donc de ma province, je suis venu et j'ai eu ça, donc c'était super. Uh-huh. Et puis voilà, et puis au bout d'un moment, on en a marre, et puis voilà. Vous avez des talents musicaux, vous jouez, vous composez? Ouais, enfin, sur l'album, j'ai fait deux chansons. Uh-huh. Je gratouille un peu, je joue un peu de la batterie, depuis... Vous gratouillez aussi, vous, un petit peu? Non, j'ai arrêté de gratouiller parce que... Ah, vous gratouillez un petit peu? J'ai gratouillé un petit peu autrefois, mais non, je gratouille plus. Non, puis après, j'ai rencontré un gars quand je suis arrivé à Paris, puis on a parlé de musique, on avait envie d'enregistrer, d'entrer en studio et de s'amuser, puis ça s'est fait au même moment que cette série. Alors maintenant, ça veut dire des scènes? Ouais, maintenant, ça veut dire... ça veut dire la cigale? Ouais. Par exemple, 10 décembre. Le 10 décembre. Qu'un magnifique lieu. Ouais. Hein, puis c'est bien la scène parce qu'en plus j'ai pu réadapter ça au niveau de mes arrangements, tout ça. Je fais un travail complètement différent qu'en studio. Quoi. Ça veut dire que dans le futur, vous voulez être quoi? Acteur, chanteur? Dans le futur, je me vois acteur en fait. Enfin, j'ai plus de choses à faire avec une caméra, je pense. Ouais. Dans le futur absolu en tout cas. Bon. Mais bon, j'ai 20 berges et... Et vous j'aime chanter, j'aime faire ça, et voilà. Et vous amusez dans ce que vous faites déjà? Je m'éclate comme un fou, donc tout va bien. Ah ben c'est carrément parfait. Sébastien Roch, ça s'appelle Silence, même messieurs, c'est un album, et il y a un extrait de cet album qui s'appelle Pousse Petit Vent. Voilà. Que voilà. Alors, je voudrais... Ah oui, alors... Puisque album il y a, vous pouvez en gagner 30 de ces CD, du nouvel album de Sébastien Roch, Silence donc, qu'il vous dédicacera personnellement. On y verra, évidemment, et vous y verrez aussi, ainsi que des passes pour aller le voir en concert le 10 décembre à Paris à La Cigale, où vous pourrez même le rejoindre en coulisses, et voir même, si monsieur est de bonne humeur, mais a priori ça a l'air d'aller, vous pourrez même faire des photos avec lui. Voilà, donc ça vous pouvez gagner tout ça sur le Minitel, vous faites 3615 TF1 rubrique coucou, il y a 30 albums et des invitations pour aller voir Sébastien Roch le 10 décembre, ce soir-là, à La Cigale. Voilà, c'est ça. Ça démarre le 23 novembre à Bordeaux, hein, je crois. Le 23 novembre à Bordeaux, oui. Premier concert. Ouais, ouais, premier concert, après je sais plus trop. C'est la première fois que vous prenez la route comme ça? Ouais. Bon, amusez-vous bien et détendez bien tout le monde. Sébastien, vous êtes plutôt rock? Enfin, elle est très mauvaise, mais... Oui, mauvaise. Enfin, non, mais elle est faite. Mais elle est faite. Elle est faite. Oh, ben voilà. Non, il a dit lui-même qu'elle était mauvaise. Soyez... Ayez un petit peu... Non, ouais. Soyez un peu charitable, soyez sympathique. C'est pas facile pour Patrice. Hein? Donc, soyez... Alors... Est-ce que vous êtes plutôt rock, cela dit? Ça dépend pourquoi, en fait. C'est pour écouter, oui, pour danser, non. Ah, c'est dommage, parce que ouais, là, c'est plutôt dommage, danse. Non, mais je sais, en plus, mais c'est même pas pour ça, quoi. Enfin, non, c'est sincère, ce que vous dites. Oui, c'est très ouais. Sincère. Ouais. Mais je suis comme vous, moi, vous voyez. Eh bien, on va quand même accueillir deux couples de rock acrobatique. Oui, c'est du rock acrobatique. Hein, oui, c'est quand un même, peu là... du rock spécial. C'est spécial. Ah, oui, c'est particulier. On va les accueillir immédiatement. Attention. Olivier et Dorothée, Sébastien et Caroline, ils sont de Valence et de Montélimar. Voilà. Olivier, Dorothée et Sébastien et Caroline. Bien sûr. Allons-y, Sébastien. Vous allez voir parce que. Moi, je suis désolé. Ils peuvent peut-être vous donner un petit coup. Merde. Je
crois que je l'ai mis à l'envers, moi, personnellement. Et non seulement je l'ai mis à l'envers, mais en plus la fermeture. Moi, je sais pas comment je l'ai mis, mais ça me remonte. Hein. Elle m'a pété dans les mains, dis donc. Alors, les garçons, bravo, en tout cas, félicitations. Combien d'heures d'entraînement par semaine, les gars? Beaucoup, beaucoup en ce moment, surtout parce qu'on prépare les championnats d'Europe. C'est où? À Valence, ça sera à Valence, le 20 novembre. Vous êtes de Valence, vous? Vous êtes de Valence, vous-même, hein? Oui, Valence. Valence et Montélimar. Moi, Montélimar, c'est ça. Et les jeunes gens qui sont derrière ici sont de Valence et de Montélimar également. Voilà. Alors, Sébastien, Olivier et Dorothée, c'est les profs. Hein? Sébastien et... Ce sont les élèves. Caroline, ce sont les élèves. Alors, vous pouvez peut-être nous montrer comme ça deux, trois petits trucs, parce que j'ai vu que Sébastien Roch était quand même très attentif. Donc, vous pouvez peut-être nous montrer un ou deux petits trucs. On a mis les tenues déjà, on est au chaud. Donc, vous pouvez peut-être nous montrer... quelques petits trucs. Merci. On va merci commencer. Beaucoup. Ah, Patrice, venez ici. Moi, j'ai été chercher, parce que moi, je vais faire fille, moi. Nous, on va prendre les gonzesses avec Sébastien. Voilà. Hein. Je vais prendre les hommes. Ouais. Ok, je prends Olivier. Ouais. Olivier, t'es avec moi. Alors, allez-y, ouais, au secours. Allez-y, montrez-nous. On va vous regarder d'abord, Olivier et vous. Hein. Vas-y, vas-y. Je vous suis. On fait d'un peu aussi. Alors, ça, je peux faire comme vous voulez, mais on va voir. Serrez-le bien. Sébastien, il va essayer avec la jeune fille. Il faut mettre la combinaison jusqu'au bout. Vous voulez voir la gentillesse de me tenir ça pendant... Oui. Il y a votre micro là, bougez pas. Attends, Ah oui. Mais il y a machin en dessous là, il y a un aimant. Je peux pas aller chercher Sébastien. Hein. Vous parlez plus alors. Sébastien, il dit plus rien. Attendez, je vous finis. Bravo les garçons, merci beaucoup. C'est quand les championnats? Il a dit. Championnat d'Europe le samedi 20 novembre à Valence. 20 novembre à Valence. On sera avec eux, hein? On sera avec eux. En tout cas, avec ça et avec le cœur. Merci en tout cas, bravo les filles. Merci beaucoup. Au revoir, jeune homme. Merci. Patrice. Patrice. Je veux bien venir, mais. Nous allons enlever ces jolies pneus. Oui. Et alors, c'est dingue parce que la soie, c'est chaud, hein? On y va. Allez, on y va. En route, enlevez votre joli pantalon rose. Une invention de monsieur Aviot pour commencer. Monsieur Aviot, le togi. Allez-y, on arrive. Le togi. Qu'est-ce que c'est-il? Monsieur Aviot, il a deux enfants. Comment s'appelle-t-il? Monsieur Aviot. Thomas. Si vous êtes sage, peut-être que nous nous mettrons nus à la fin de cette émission. Patrice. Alors, monsieur Aviot. Un peu de Aviot a deux enfants, d'accord. Thomas et Guillaume. Oui, bien alors. Donc, il a inventé... Allez-y, Patrice, il n'y a pas de problème. Il a inventé le togi. Le? Le togi. Pour Thomas et Guillaume. C'est-à-dire qu'à l'origine, il avait Thomas. Voilà. OK? Donc, il avait une poussette pour promener Thomas. D'accord? Né Guillaume. Toi, qu'est-ce là. Qu'il fait de Guillaume? Il fait ça. Il s'est inventé ce petit sac-là qu'il met ici, vous voyez? Allez, déjà, il a déjà le temps d'attraper froid. Hop là, et comme ça? Il promène Guillaume ici. Ah, très bien. Et d'accord. Donc, la grande et le petit. La grande et le petit. Ah, et pas alors, mal. Pour qu'ils ne prennent pas froid, regardez. Ça, c'est très bien. C'est, enfin, on peut l'essayer sur nous, vous voyez. Sur nous. Regardez. Attendez, je voulais. Hop. Pour que les deux... Vous me faites peur, Patrice, vous me faites peur. Attendez, je ne sais pas si... Faites gaffe, on n'est pas à l'abri du coup de boule. Hein. Je suis obligé d'y aller parce que... Ou alors, il faut que vous vous rapprochiez. Okay. Vous voyez.
Faut pas qu'ils aient froid l'hiver et qu'ils soient abrités. Vous êtes dingue ou quoi? Et si, les deux. Vous voyez, Thomas et Guillaume. Ah oui. Mais attendez, on peut, c'est-à-dire qu'on peut le mettre... Non, en fait, il faut rentrer, rentrer la tête. Ah, c'est, ce sont des enfants bâchés. Regardez. Et vous m'étouffez, Patrice. Aïe, aïe, aïe. Ah mais non, si on le met comme ça, ça n'a plus d'intérêt. Comme ça. M'étouffez. Vous m'étouffez vraiment, en plus. Attendez, regardez. Il est malade ou quoi? Il veut me buter, ce gars-là. Et... Comme ça. Oh, c'est Belphégor, maintenant. Ah, très bien. Et vous, vous mettez... Regardez. Ah, ouais. Tu veux venir avec lui, si vous... Et voilà. Vous voyez, les deux sont abrités. Ah ouais. Deux têtes de con. Ah, c'est, oui, voilà. C'est bien, parce que pendant ce temps-là, paf. Les deux sont abrités. Donc, c'est bien. C'est très bien. Aïe. Excusez-moi. Je vous ai dit, on n'est pas à l'abri du coup de boule. Excusez-moi. Bon. J'en prie, Patrice. Ensuite. Alors, ça, c'était le Togi, donc c'est... Celui qui a inventé, il cherche un distributeur. Très bien. Ça, c'est une... Une pince à... Baignoire. C'est une baignoire. Non, ça, c'est... Non, c'est pour les enfants. C'est là, une nouvelle baignoire pour enfants. C'est-à-dire que ça fait... Mettez-vous derrière, Patrice, mettez-vous là. Chut, ça, c'est une nouvelle baignoire pour enfants. De ce côté, planche allongée. Donc là, évidemment, nous nous adressons aux parents. Ah ben oui. De ce côté, c'est une planche... C'est une baignoire évolutive, planche allongée. C'est-à-dire que vous longez le bébé... Là, baignoire. Ça, ça existe déjà, mais enfin, pas sous cette forme-là. Pas sous cette forme-là. Non, et une fois que vous en êtes servi de baignoire... Attendez, là, c'est une baignoire, là. Là, une baignoire, là, mais c'est la même. Et alors... Ouais. Vous voyez, au lieu de... Alors, vous enlevez les... Les ventouses. Les ventouses. Vous mettez des roues. Vous mettez les roues. Oh là là. Oh, le matos. Attendez. Ça, c'est... Regardez. Non, face caméra, descendez. Descendez, sérieusement, non, faut pas casser le truc. Non, mais faut casser. Voilà, face caméra. Ça. Voilà, on est bon. Ouais, ici. Et là, ah! Et là, voilà. Et ça fait petite voiture. Ah, et c'est solide en plus. Et c'est très solide, en non, plus, c'est bien. Très solide. C'est la baignoire évolutive qu'on va voir au salon Batimat du 9 au 14 novembre à la porte de Versailles. Ça coûte 1200 francs. Oh, bah, t'as raison. Ah, pour 1200 francs, elle peut être évolutive. Rapidement, Patrice. Rapidement, on a plus de temps. Voilà. Patrice, par contre, ça. Oh là, qu'est-ce qu'il y a? L'aspirateur. Qu'est-ce qu'il y a? L'aspirateur gonfleur. Et regardez comment il marche, c'est fait comme ça. De ce côté. Ça présente un danger? Non, de ce côté. Venez voir, venez voir. J'aspire. Ça s'appelle un aspirateur. Et maintenant, alors, vous avez crevé. Autrefois, vous alliez à la station d'essence. Et maintenant, vous prenez votre aspirateur qui est forcément dans la bagnole. Et maintenant, vous prenez... C'est normal. On a toujours son aspirateur dans la bagnole. Gonfleur, dans la voiture. Toujours. Ça se branche sous l'allume-cigare. Et regardez, là. Oui, c'est. Allez-y. Faut le visser. Je vais y aller, moi. C'est là j'ai un petit rencard à 8 heures, là. Allez-y, Patrice. Attendez. Oh, il en fait, ça va lui exploser à la tronche un jour. Échappons-nous, Sébastien. Oh, là. On le laisse jusqu'au bout, hein. Eh ben, elle est jolie, ça. Là, vous gonflez un pneu, c'est mal. C'est très... Ça gonfle de l'autre côté. Bah, ouf. Pas là, hein. Mesdames, messieurs, pardonnez-le. Si, si. Arrêtez, Patrice. Non, s'il vous plaît, un peu de décence. On n'applaudit pas une connerie pareille, hein, s'il vous plaît. Attendez. Non, attendez. C'est pas normal qu'il fasse ce bruit-là. Déjà, il va nous péter la tronche. Non. Est-ce que de ce côté, déjà, il aspire. De l'autre côté. Venez, Sébastien, un petit coup de main, je sais pas. Venez, parce que... Vous avez une voiture? Non. Bon, eh ben ça va venir. De l'autre côté. C'est pas normal le bruit qu'il fait. Si, parce qu'il a... Attendez, mais si on pouvait visser là, mais on peut pas. Mais comment on peut pas? Ben non, on peut pas, ça n'a aucun intérêt. Il manque un embout. Non, ça c'est le bouchon. Il manque un embout. Mais il manque un... Pardon, excuse-moi. Quoi? Il manque un embout. Ça se branche. C'est complètement con. On peut pas le mettre. On peut pas le mettre. Hein? Une prochaine fois. Une autre fois. Allez, est-ce que vous avez un grand chez vous? Est-ce que un vous avez un chez vous? Oui. Un petit chez vous, Bruno, un grand. Il est en âge, vous faites peur parfois. Oui. Alors, est-ce que vous avez un grand appartement? Non, vous avez un petit appartement. D'où mais l'intérêt de la mise. Qu'est-ce que vous foutez? Il n'a même pas répondu. Oui. Ça, c'est une cuisine. Alors. Hollywood. Café. Plaque.
plaque chauffante, l'eau, machin, le micro-ondes. Oui, c'est une cuisine, quoi. La... Hotte. Hotte. Et alors ? Qui n'est pas bruyante. Non, ouais. Ça, c'est parce que j'ai fait le café. Ah oui. Et alors, là, frigo. Frigo. La poubelle. Non, lave-vaisselle. Ah. Tout est inclus. Fermez-le pour voir. Et c'est ça, en plus, vous fermez. Alors, faut pas être petit, déjà, hein. Mec, il ouvre, grand genre, la gonzesse, elle arrive, un petit café et tout, puis après, il a... Faut pas la refermer, après, hein, mais embêté. Allons-y. Bon. Alors, après. Allons-y, qu'est-ce qu'on a ? La pub. La pub. On va se retrouver juste après cette phase de publicité avec Sébastien, Patrice et le reste. A tout de suite. Merci beaucoup. Voici de retour, mesdames, messieurs, au 102 de la Maison de la Radio avec Sébastien Roch pour sa dernière partie d'émission. Alors là, Sébastien, nous allons taper de plein fouet dans votre actualité puisque vous venez de sortir un album qui s'appelle, je le rappelle, Silence. Et là, nous allons faire un télécrochet. Avez-vous déjà assisté à un télécrochet en direct ? Jamais. Et vous, participé à un télécrochet ? Jamais non plus. Cessez de taper avec vos pieds, je ne vous raconte pas comment ça doit résonner dans les micros. Alors, alors là, on va faire un télécrochet un peu spécial. Nous avons donné un thème. Pour vous rappeler probablement que vous étiez encore plus petit de la série Amicalement Vôtre. Ouais. Hein ? Je m'en rappelle. Avec Roger Moore et Teddy Curtis. Bien. Et donc, nous avons demandé à des personnes que nous allons avoir en ligne d'interpréter, évidemment, le thème de cette série. De la série Amicalement Vôtre. Alors, attention. Premier candidat, bonsoir, votre prénom. Allô ? Allô ? Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, jeune spartiate ? France. France. Vous êtes accompagné ? Oui, avec mon frère. Avec votre frère. Comment s'appelle-t-il ? Sauveur. D'où nous appelez-vous ? De Nice. De Nice. Pas de Corse ? Oui. Je vous envoie du soleil. Et nous le prenons, France. Voilà, oui. Sauveur et France pour le thème de la série, donc Amicalement Vôtre. Je vous rappelle que Maître Fougnias est très attentif, que le public ici présent va, à la fin de votre concert, juger par ses applaudissements et que Maître Fougnias écoutera bien ses applaudissements et donnera une note entre 0 et 10 pour que, éventuellement, vous remportiez le filigrani. Je vous rappelle que vous serez 3 ce soir en lice. Nous vous écoutons, France et Sauveur. Alors, je commence ? Avec Sauveur, hein, voilà. C'est en double. Hein. Tout. Alors, vous avez un peu de feuilles, vous avez un peu d'oreilles. Est-ce que c'était totalement juste ? C'est un peu bas. Hein, c'était bas. Ça faisait Fumanito, Chinatown. Je me retourne vers Maître Fougnias qui a pris. Voilà, Maître Fougnias. Cinq. C'est lui, Maître Fougnias. Ouais. Bon, soyez gentil avec Maître Fougnias. Un peu de gentillesse pour les huissiers. Bah oui, c'est Maître Fougnias, on n'a pas trouvé d'autres. Voilà, on a Maître Fougnias qui est attaché à notre émission. C'est bon. Combien Maître Fougnias donc ? France, pour l'instant, vous avez 5 points. 5. On ne sait pas qui arrive derrière. Évidemment, vous continuez à être en lice, quoi qu'il arrive. Si vous ne remportez pas le filet garni, sachez d'ores et déjà que vous aurez un cadeau de consolation. Consolation. C'est comme ça que nous disons. Un beau cadeau. Un deuxième appel immédiatement. Bonsoir, votre prénom ? Allô ? Oui. Bonjour, allô. Allô ? Delphine et Stéphane. Excusez-moi ? Delphine et Stéphane. Bienvenue, Stéphane. Bien. Rappelez-moi votre prénom à vous. Delphine. J'hallucine ? Delphine. Ah, Delphine. Oui. Delphine. Qui rigole, évidemment. Allô, bonsoir. C'est Delphine et Stéphane. Bonsoir, Stéphane. Ah ouais. Vous êtes le frère de Delphine ? Non, c'est mon mari. C'est votre mari. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Patrice. Bonsoir, Christophe. Et bonsoir, Sébastien. D'où nous appelez-vous ? De Courbevoie. De Courbevoie ? Oui. Ah, tiens, vous n'avez même pas fait le 16. Joli, Patrice. Hein? Patrice qui lance royalement les Hauts-de-Seine. Ah. Delphine, Amicalement Vôtre avec... On vous écoute. Avec Stéphane. Alors d'abord, je voudrais vous prévenir. On a fait ça en deux couplets. D'accord ? Alors à la fin du premier couplet, vous n'applaudissez pas, vous attendez la suite. D'accord, vous avez d'accord bien compris, hein ? Attention, hein ? Promis, hein ? Chut, bon, on y va. Allez-y. Quel âge ont-ils ? C'est les trois petits cochons. Ah. Ah.
Pas mal. Ça c'est nouveau. Ça. Ouais. Elle a dit dans les paroles, Delphine, si je vous ai bien compris, oui. Vous avez dit de diffusion en rediffusion, oh là là, que c'est bon et tout ça. Que d'émotion, que c'est bon. Voilà, donc vous avez écrit ces paroles. Absolument. Ah, c'est beau. Maître Founias, 8 points, vous avez 8 points. Ouais, super. Ouais. Mais c'est pas fini. Donc pour l'instant, Delphine et Stéphane tiennent la corde. Pour l'instant, bien mené, ça peut gagner tout ça, hein. Alors attention, vous bougez pas, vous êtes en tête de cette liste pour l'instant, mais il reste un candidat ou une candidate, un couple peut-être. Allons-y, bonsoir. Allô ? Bonsoir monsieur. Bonsoir Christophe, bonsoir Sébastien, bonsoir Patrice et bonsoir le public. Quel est votre prénom ? Pardon. Vous vous appelez Ouais ! C'est comme ça, ça. Alors monsieur, Ouais ! Fabrice, avec qui chantez-vous ? Avec Sophie. Votre... Ma fiancée. Votre fiancée. Voilà, qui vous aime bien. Quel âge a-t-elle ? 21 ans, oui. Et quel âge avez-vous ? 25 ans. Vous avez une voix très âgée. Oui. Je plaisante, Fernand, je plaisante. Alors, Fabrice, pardon. Ça commence par F. F. Comme... Alors, attention. Chut. Attention. Fabrice. Oui. Et Christiane. Non, et Sophie. C'est ça. Bon, on y va. Et c'est ça. Elle commence et vous suivez. Fabrice et Sophie, mesdames, messieurs, en direct de... Donc, Sophie et Fabrice. D'où nous appelle-t-il ? D'où nous appelez-vous ? D'où ? Ils sont partis. Ah, c'est pas mal, ça commence bien. Ça, c'est ça le début. Hein. Génial. Pas mal. Ouais. Pas mal. Regardez. Alors ça a bien démarré. Attendez. Il y a le président du jury qui est assis à côté de moi. Je vous saurais gré, s'il vous plaît, de le laisser s'exprimer. Président. Je trouve que c'est moins bien que le précédent. C'est un avis de président. L'avis du président. L'avis du public. Il avait du public. Mais il y a le public, monsieur le président. Il y a le public. Alors que pense le public ? Attendez, pour le numéro 2. Pour le numéro 3. Ah, le public est un peu contre le président. Qu'est-ce qu'on fait, maître Founias ? Maître Founias, combien ? 8,5. Maître. Maître Founias. Chut, ça suffit. Maître... Attention, hein. La règle. Donnez-moi une règle que je leur tape sur les doigts. Maître Founias nous annonce 8,5. 8,5 pour les troisièmes. Ce sont donc les troisièmes qui ont gagné. Je m'excuse bien, président. C'est qui, Stéphane et Sophie ? Non, Fabrice et Sophie. Fabrice et Sophie. Fabrice ? Allô, oui. Vous avez gagné ? Un scooter ! Ouais, et voilà, il est là. Ouais, super. 50 cm cube. Typhoon, le Piaggio, avec châssis monobloc en acier pour la sécurité, carrosserie en plastique ABS indéformable, un entretien simple et économique qui s'adapte à tous les terrains, à toutes les situations de conduite, Stéphane. Fabrice. Gros bisous de ma copine, Sophie. Ben, bien sûr. Je vais vous la passer pour Christophe. Autant quoi ? Allez, je la passe. Bonsoir Sophie. Bonsoir Christophe. Comment ça va mon petit ? Ça va très bien. En pleine forme ? Très bien, oui, ça va. Ça se passe bien avec votre fiancé ? Impec. Impec ?
Je fais un gros bisou à toute l'équipe de Coucou C'est Nous. Vous avez gagné un scooter. J'espère que votre fiancé vous emmènera et que vous mettrez un casque. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée. J'aimerais un peu de discipline dans cette salle. Hein. Alors, attention. Bon, au revoir et merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer. Est-ce que vous faites attention à votre corps? Vous avez 20 ans, vous n'avez pas besoin, mais est-ce que vous faites de la gym? Est-ce que vous entrez? Non. 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 C'est pas le temps. Ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard. Vous serez obligé à regarder Patrice qui fait 8 heures d'athlétisme par semaine. Par jour. Ça se voit. Par jour. Ben alors, Patrice. Anne-Béatrice, on va la rejoindre. Immédiatement. Allons-y. Anne-Béatrice, sous vos applaudissements. Alors, bonsoir Anne-Béatrice. Bonjour. Comment ça va? En forme. Très bien, oui, en pleine forme. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Roger. Oui. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une deuxième tentative de pédagogie à l'acupuncture. Vous allez faire attention, hein? Oui, oui, très attention, promis. Alors, aujourd'hui, il faut quand même que je vous fasse jouer. Je vous ai préparé des silhouettes. Attendez, d'abord, l'acupuncture, en quelques mots. On se fait piquer. Ça sert à quoi t'es exactement, rapidement? Alors, c'est la philosophie chinoise qui fait que, en fait, ils ont une façon de considérer le corps complètement différente de la nôtre. On commence un petit peu à s'y adapter. Et en fait, on utilise énormément tous les cycles de la nature. En fait, on est relié au cycle de la nature et en particulier au cycle de passage de l'énergie dans ce qu'ils appellent des méridiens d'acupuncture, c'est-à-dire des canaux qui véhiculent ce qu'ils appellent une énergie. Nous, on a du mal à la sentir parce que ce n'est pas partie de notre... Et alors, il y a des points extraordinaires parce que le foie, c'est par là. Absolument. Oui. C'est plutôt au pied, le foie. C'est ce que je voulais dire. Au niveau des mains, il y a plutôt le gros intestin, le poumon. Ah, je confondais avec le colon. Oui. Ah, c'est ça. Le colon, c'est sur les mains. Oui. Vous avez déjà fait de l'acupuncture? Vous avez déjà eu une séance? Oui, j'en ai fait. Ouais. Quand j'étais petit, ma mère a voulu me soigner par acupuncture. Et ça a marché? Et alors? C'est assez bizarre, mais je sais plus. C'était pas grave, donc je sais pas si ça a marché. Et quel âge vous aviez? 2 ans et demi. C'est normal. Non, j'avais genre 12 ans. 12 ans. C'est une autre conception, en fait. Et on commence un petit peu à le comprendre. Alors, en fait, maintenant, on va essayer de viser les cibles pour... Oui, alors montrez-nous sur les cibles, parce que c'est important de savoir. On va se distribuer les fléchettes. Nous avons un anatome. Nous avons un anatome. Un anatome, c'est ça. Nous avons un anatome noble. Alors, la tête, ici, tous ces points sont des points d'acupuncture. Donc, je vais vous donner la baguette, Christophe. S'il vous plaît. Voilà. Merci. Parfait. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Jeune Sébastien. La tête. Ah non, je t'ai pas la tête, je suis là, non. Il est en plein vaisseau conception. Conception. Ah. Oui, le vaisseau conception va aller de... C'est un vaisseau espagnol. Conception. Oui. Et il va aller en fait de la bouche au pubis. Vous avez vaisseau conception. De la bouche au pubis. Oui. Alors, continuez, allez-y, vous n'arrêtez pas. Attention, Christophe. Ouais. Ici, alors, là, sur il est déjà nuque. Beaucoup plus en arrière. Alors moi, ce que je voulais vous faire faire, c'est plutôt chacun sa cible. Hop. Alors c'est bon, le deuxième, il était sur l'arrière, c'est-à-dire la vessie. Et ça devient intéressant parce que la vessie, pour s'en rappeler... C'est une lanterne. Non. Le méridien de la vessie, c'est le méridien qui est le plus long du corps humain. Ici il fait tout l'arrière du corps. Il passe vous partez, voilà. Enfin, là, c'est déjà un petit peu plus haut. Et il va jusqu'au plus petit orteil. C'est ça, c'est ça. Voilà, la vessie, c'est ça. Ici. Exactement. Donc si on pique... Orteil. Là. Alors là, ça c'est... Ah non, ça c'est le trou du cul. Non. Pas du tout, je suis bien d'accord, c'est le muscle fessier. Ah, qui c'est ce que je voulais dire. Et attendez, pardonnez-moi. Alors, quelqu'un a un problème de vessie, oui. Il se fait piquer là, et ça va mieux. Alors, la vessie, c'est plutôt une fonction, en fait. Parce qu'en acupuncture, quand on donne les noms à des méridiens, c'est plus pour se relier à une fonction du corps humain. Les grandes fonctions, c'est la respiration, la circulation du sang, la digestion, l'assimilation, et bien sûr, entre autres. Oui. Ah bah. Absolument. Fléchons, donc. Alors donc, allez-y, messieurs. Alors, vous pouvez également viser sur la troisième silhouette, que vous n'avez pas encore, je ne sais pas pourquoi. Car c'est l'autre partie. Alors, ça, c'est deux faces. Là, il est en plein l'épaule. Vous ne voulez pas vous mettre plus près pendant que vous y êtes, Sébastien? Loin. C'est Maître Founès qui va être... D'ici, là. Il y a un petit trait, là. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a différentes façons de tirer les fléchettes. Voilà, Fabrice, très bien. Impeccable. Roger. Patrice. Ridicule. Ridicule. Ah, joli. C'est bon, ça. Ah. Alors Patrice est quand même branché parce que tout à l'heure, mesdames, messieurs, nous avions trop de balles, nous avons maintenant la zigounette. Donc Patrice est quand même tout. Très très chaud là-dessus. Ça c'est la vésicule biliaire. Ça c'est la vésicule biliaire. Je vais vous la remettre. Non, attendez. Oh, non, là c'est entre les... Ridicule. C'est nul. Oh, mais il n'y a plus de flèche. Vous avez gâché facile la vessie. Jetez votre stylo. Alors, une fois que vous avez... Parce que ça vous aide, en fait, à concrétiser les différents méridiens. Estomac, là. Tout l'avant du corps, c'est l'estomac. On va se mettre un peu plus loin, les gars. Venez ici. C'est pas drôle de près.
Attendez, je vais récupérer les fléchettes. Non, non, trop non, tard. Non. Patrice, reste avec nous. Allez-y, non, je déconne. De là? Oui, bien sûr. Alors, non, 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 attends, doucement. Alors. Attention, attention, attention. Là, je ne vois plus rien. On va viser celui du milieu, les garçons. Ouais. Hein, c'est loin. Hein. Uniquement celui du milieu. Hop. Ah, c'est un peu bas. Essayez comme ça. Hop. Oh, bah non. Vous avez appris, vous en avez? Essayez comme ça, oui. Il en reste une, Sébastien. C'est un jeu de con. Merci, Christophe. Ah, j'ai lu. Salaud. Mais tiens ouais, ouais. Alors, en ne visant que sur l'avant du corps et sur les côtés, ah, pas mauvais. Vous êtes plutôt on yang, c'est normal. Hein. Je suis plutôt yang. En fait, c'est comme je vous disais, c'est l'équilibre. Il y a toujours deux pôles, non. Un pôle yang et un pôle yin. Et vous allez viser essentiellement sur tous les méridiens yang. Alors, pour essayer de vous rétablir un petit peu, pour repartir en bonne santé... Mais qu'est-ce qui est mieux, le yang ou le yin? Les deux, il faut que ça fasse une harmonie. Donc je vais vous faire travailler. On n'est pas mauvais, on a qu'une fonction. Sébastien, il a l'air bien branché. Ouais, oui, bah oui. Pas spécialement, non, mais le yin, c'est les deux... Oui et non, moi... Non, ça, on fera peut-être ça un autre jour, vu que le tantôt. Voilà, très rapidement. Alors, bah oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est une fois que vous avez compris où se trouvaient vos méridiens d'acupuncture, c'est de vous les faire sentir, autrement, ça rime à rien. Ah. Vous n'allez pas vous en souvenir. On va pouvoir jeter des fléchettes sur Patrice, je vais les ramasser tout de suite. Non. Comment non? Bah, c'est pas drôle. Alors, il y a six mouvements essentiels qui ont été décrits par un monsieur qui s'appelle Masunaga. Masunaga. Oui. Et c'était un maître en acupuncture. Et... Et alors, il a montré que ces différents méridiens, on pouvait les ressentir par des postures. Alors la première, c'est le poumon et le gros intestin. Alors ça consiste à bien nous écarter ses deux pieds et à plonger vers l'avant. Malade quoi. Mais vous êtes sautré. Je suis très fort en fléchette, moi. Je suis très fort en fléchette, tu vas voir si je suis très fort en fléchette. Il a failli me buter. Alors, rapidement. Alors, vite, vite, on va se quitter. Donc, il y a six postures. Oh. Et sur ces six postures, vous allez pouvoir mémoriser. Je suis le seul qui suit, en fait. Voilà. Oui, alors. C'est pas vrai, Sébastien. Merci, Sébastien. Alors. Et alors, l'idée, c'est que vous plongez en avant. Soit, alors, il y a deux possibilités. S'il vous plaît. Il y a deux possibilités. Soit on travaille avec les mains, soit on travaille sans les mains. Allez-y, montrez-nous. D'accord. On fait deux petits anneaux. Oui. Non, mais allez-y, montrez-nous. Allez-y. Mais allez-y, ça nous intéresse. Non, c'est trop dangereux. Je vous fais pas. Oh. On est en train de laminer le gars. Hein. Oui. Oh, il prend. Oh, ben c'est là. Oh. Yeah. Alors donc, très rapidement. Les six postures. La première, on a plongé vers l'avant, on a étiré le poumon et le gros intestin. Attends, d'accord. Oui. La seconde. On a allongé l'intestin. Oui, en quelque sorte. La seconde, vous allez vous installer. Attention, il n'y a qu'à dire que c'est moi. Ouais. Vous vous installez. Ah, attention, on est en train de se quitter. On est en train de se quitter. On va passer à la prochaine fois. Mais ne bougez pas, vous êtes très bien. Je vous rappelle quand même que ça s'appelle Silence, que Sébastien Roch va être sur scène bientôt, qui sera la cigale dans pas longtemps. Merci d'être venu. Demain, Julien Clerc.